Evet, aferin. Bon, vous êtes fait piquer la place là, la chorale. C'est ce que j'allais dire. Le public s'est imposé, c'est pas bon pour vous. Hein. C'est et ça, et c'est toujours les mêmes. Serge Tu connais pas Jacques André, cherche pas. Il faut apprendre à connaître. Oui, il faut apprendre à connaître. Regardez sur Internet. D'accord, merci. Mais il ne sait pas aller sur Internet, lui. Il va plomber l'ambiance aussi. Ça va légèrement plomber l'ambiance. On va essayer de faire après, mais pas légèrement, mais après, ça remonte. Après, c'est malheureusement l'actualité. Voilà, c'est hélas tout à fait l'actualité. Parce qu'on est là, on lutte, on est content d'être ensemble, mais on sait aussi, surtout à Mantes, que la nationale fait des scores qui normalement devraient nous inquiéter. Mais je suis content, moi. J'espère que c'est pas le gouvernement. Alors attention là. On peut expulser ce monsieur de chez lui, il n'y a pas de problème. Ouais. Il y a du cyanure que tu veux. Il faudra plus aller manger chez lui. Là, ça fait mal. Parmi sous la cendre, le feu va brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Au couchant d'une autre après-guerre, et vous saluerez les drapeaux en priant de vous sans vergogne. Parmi sous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés, les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entr'ouvertes, alors reviendra essouler des gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds. Pour me défendre, à moi les étrangers, la vie est bonne à prendre et belle à partager. Si les massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie, les bruits de votre de l'histoire n'éveillent pas vos souvenirs.
cendre, le feu va tout brûler. La nuit où elle descend, dessus nos habités, je crie. Pourrait descendre dessus.